السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم نستقبل السيد جمال قسوم المترشح للانتخابات التشريعية بفرنسا. مسيو جمال قسوم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعلى جميع الشعب الجزائري من كل مكان. Vous présentez aux élections, pourquoi? Pourquoi je me présente aux élections? Depuis 1962, depuis l'indépendance de l'Algérie, nous n'avons jamais été représentés en France par des personnes nées en France et qui connaissent les problèmes des Algériens de France. Depuis des décennies, nous sommes en décalage avec notre propre pays. Je voudrais, par ma présentation à l'élection législative, présenter un projet nouveau et qui respecte les Algériens de France. Ma vocation est de leur permettre d'avancer dans différentes problématiques, différents projets que sont la jeunesse, le logement, la culture, mais également l'emploi. Voilà le sens de ma présentation à cette élection législative. Monsieur Jamal Gassoum, vous présentez à la députation algérienne de mai 2017. Quel est votre programme en ce qui concerne la jeunesse algérienne et les étudiants? Alors, mon programme par rapport à la jeunesse, qui fait partie de mon expertise et mon expérience depuis plusieurs années, se décline en quatre points. Il y a tout d'abord le projet de créer un bureau d'accueil ici en France pour permettre aux jeunes Algériens de France de créer leur entreprise en Algérie. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a des dispositifs d'aide qui sont uniques au monde. Le deuxième point concerne les étudiants algériens qui viennent d'Algérie et qui étudient en France. Deux discriminations à lever absolument, celle du titre de séjour. Il n'est pas acceptable que seuls les Algériens, parmi tous les étudiants, soient les seuls à devoir renouveler leur titre de séjour annuellement, alors que tous les autres ont des titres de séjour pluriannuels. Deuxième difficulté, les Algériens qui viennent d'Algérie, qui étudient en France, ne peuvent pas travailler sauf à demander l'autorisation de travail, ce qui n'est pas le cas pour les autres étudiants. Ces deux discriminations ne sont pas acceptables et je me battrai contre celles-ci. Le troisième point concerne l'organisation de voyages de jeunes Algériens vers l'Algérie pour qu'ils connaissent bien leur pays. Et le dernier point concerne une réduction importante au niveau des transports aériens pour nos enfants afin qu'ils aillent visiter leur pays. Voilà mon programme pour la jeunesse. Monsieur Gassoum, dans votre programme, vous évoquez la question du logement. Pouvez-vous en dire plus? Oui, la question du logement, elle est centrale. Elle est centrale parce que derrière la question du logement, il y a toute une dimension très importante que l'insertion sociale, professionnelle et de s'investir en Algérie. La constitution algérienne prévoit qu'il ne doit y avoir aucune différence entre un Algérien et un autre. Or, il y a une discrimination. Les Algériens de France ne peuvent pas acheter un logement en Algérie dans les mêmes conditions que les Algériens d'Algérie. Ça, je ne l'accepte pas. Elle est d'autant plus importante que derrière cette question, beaucoup de nos compatriotes ne peuvent pas partir en Algérie avec leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas aller chez la grand-mère, le tonte et l'oncle, comme si un Algérien était touriste dans son propre pays. C'est inacceptable et je proposerai un projet de loi dans ce sens afin de permettre à nos compatriotes d'être chez eux en Algérie parce que ceci n'est pas contestable et n'est pas acceptable. Voilà mon projet pour la question du logement. Je développerai un peu plus tard techniquement comment je vais procéder et c'est une chose qui est assez faisable. Après 60 années de libération, il est temps pour nous de revenir symboliquement et physiquement dans notre pays. Monsieur Gassoum, que proposez-vous pour les entrepreneurs algériens et les futurs entrepreneurs? Par rapport à cette question, il est important de faire un constat très rapide, c'est l'écart qu'il y a entre les jeunes entrepreneurs algériens de France et les entrepreneurs algériens d'Algérie. Il existe un tissu associatif relativement intéressant, mais qui ne marque pas, en tout cas qui n'est pas un marqueur politique en termes d'investissement. Mon projet est de créer une forme de Silicon Valley algérienne qui soit une instance qui soit fixe et qui permette aux jeunes Algériens de France de connaître tous les dispositifs vers l'Algérie et leur permettre de s'investir. Il est assez désolant de voir que beaucoup de monde viennent prendre de l'argent en Algérie et que nos propres jeunes ici en France restent chômeurs. Donc cela, je ne l'accepte pas et j'ai cette ferme intention de créer cette Silicon ici en Seine-Saint-Denis pour essayer de répartir sur l'ensemble du territoire français. Nos frères et sœurs algériennes sont capables de beaucoup de choses et ils nous attendent, nous politiques, pour répondre à cette demande. Monsieur Gassoum, quel est votre programme par rapport à la culture? Par rapport à la culture, j'ai pour coutume de dire une phrase qui est très connue qui dit « De la culture naîtra la grandeur des peuples ». Il est malheureux de constater que le centre culturel algérien soit aussi pauvre en France.
alors que d'autres pays qui ont bien moins de moyens que nous peuvent faire des choses plus importantes que nous. Mon projet sur la culture est de créer un espace culturel algérien qui permettra à tous les Algériens et Algériennes de France, mais également de l'étranger, de venir faire des expositions, venir parler de leur activité et faire connaître l'art et la culture algérienne. Les Algériennes et les Algériens de France ont une soif de connaître leur pays, notamment à travers la culture. Et c'est bien la culture qui fonde les valeurs d'un pays, et c'est pour cela que j'attacherai une importance capitale à la culture. Je vous remercie, Monsieur Gaston. Je vous en prie.